Hey, salut tout le monde et bienvenue sur Francis Gaming. On se retrouve pour un nouvel épisode sur l'Angola. Donc oui, là je suis en train d'enregistrer en avance, tout simplement parce que c'est compliqué, vous savez, c'est très compliqué. Oh, on a encore une grève, hein. Je vous rappelle qu'on avait une grève fois dernier. Je vous rappelle que donc nous continuons notre let's play donc sur l'Angola. L'Angola, ça fait faire très longtemps. Je suis très content que ça dure assez longtemps quand même, l'Angola. Donc Bonjour, oui, content, je je suis n'arrive content. Hein. Kazakhstan. Alors, tu veux me vendre du lait? Ouf, je crois que j'en ai pas assez de toute pas. manière. Volontiers. Contrat commercial. Est-ce que je peux t'acheter? Je sais pas. Qu'est-ce que tu peux m'acheter? Charbon. Moi, je veux bien le charbon. Genre du charbon, voilà. Ouais, pourquoi pas en acheter un peu plus. Non, on va en acheter 6 millions, allez, ça aura un peu plus en stock. On va faire aussi un contrat commercial. Je voudrais t'acheter. Est-ce que vous faites du bœuf? Le bœuf, oui, vous en faites un peu. Hop, ok, on accepte. De toute façon, on va accepter, hein. Il faut qu'on détruit un petit peu notre croissance. Donc, il faut faire des achats. Au niveau du charbon, non. On va faire au niveau du cuivre. Est-ce que vous faites du cuivre? Oui, mais on en a besoin aussi du cuivre. Donc on va l'acheter assez cher. Voilà. Voilà, il s'accepte. Des contrats commerciaux. Ouais, ça va être un épisode où on va faire quand même assez de contrats commerciaux parce que c'est très intéressant. C'est très important aussi pour l'amélioration de notre patrie. Donc on fait beaucoup de bois. Au niveau du coton, on fait du coton. On va vous en acheter. Voilà, je vous en achète cher. Voilà, on s'en fout de toute manière. On a tellement d'argent. Alors on va aussi vous acheter, je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait vous acheter en bouteille, vous faites de l'eau. Oui, waouh, c'est cher chez vous, hein. Mais vous en avez pas assez. Du maïs. Ah, je crois que je vous en prends. Du pétrole. Ah, bah, vous faites aussi du pétrole. Du plomb. Ah, vous faites du plomb. Je vous l'achète aussi. Voilà, très bien. Créer un contrat commercial, encore une fois. On va leur acheter aussi. Qu'est-ce qu'on pourrait leur acheter? On a tellement de choses qu'on pourrait acheter. Électronique grand public. Non, bon, non, c'est pas intéressant. En plus, ils en ont pas assez. Des pommes. Des pommes. Ah, vous faites un peu de pommes. Est-ce que vous faites assez de pommes pour moi? Non, vous faites pas assez. Est-ce que vous faites du tabac? Ah, bon, ils en consomment beaucoup chez moi. Hein. Est-ce que vous voulez. Ah, en tout cas, on a de l'uranium. Est-ce que vous voulez un peu de volaille? Ah, j'ai eu peur. J'ai eu peur. Donc, non. Oui, c'est mon père qui est entré. C'est pas grave. De toute manière, c'est qu'une porte. Une porte qui grince. Le zinc. Oui, ok, vous en faites aussi. Et du raisin. Est-ce que vous en voulez? Ah non, vous en faites, hein, de ça. Produit chimique, non. Qu'est-ce qu'on pourrait leur vendre? On produit de l'or, ils en produisent aussi. Du gaz, est-ce que vous faites du gaz? Oui, ils en font. On en a besoin du gaz. Voilà, et on va arrêter là. Merci, en tout cas, pour ça. Le Kazakhstan, auquel on va améliorer en plus nos relations, puisqu'on a fait des échanges avec. L'Inde veut aller nous voir, eh bien, dis donc. Beaucoup de gens veulent aller nous voir, hein. C'est intéressant. Ça permet aussi d'accroître un petit peu. D'accroître un peu tout ça. Alors au niveau de la Syrie, ça passe. Il y a toujours la guerre. La Russie les aide. Pourquoi la. Waouh, pourquoi il y a la Syrie, la Russie qui est comme ça en mode. Faites gaffe, voilà. Attention. Donc le Kazakhstan est un allié, hein. Il faudra éviter de se prendre la tête avec le Kazakhstan. Plus le Kazakhstan, ça pourrait être vraiment nos alliés. Donc on va prendre un rendez-vous, rompre tous nos. Pourquoi pas les aider. Parfois, ça pourrait être intéressant au niveau du Kazakhstan, puisque ce sont nos alliés qui nous ont beaucoup donné quand même de choses. Hein. Donc c'est intéressant et en plus on pourra leur faire, pourquoi pas accepter de les faire voyager. Ah ben c'est fini, ils ont fini la construction de cette ligne TGV. Très bien, ben, c'est génial, c'est génial. Trafic, millions de passagers, il y a eu 50 millions de passagers, c'est énorme. Le port va bientôt être fini. Bonjour, on a rendez-vous avec Monsieur Bonjour, Hind. je n'arrive pas à les mettre. Oui, alors, qu'est-ce que tu veux? Tu veux me vendre du. Tu veux que je te vende du thé? Du thé, mais j'en consomme, j'en produis pas assez. Et toi, t'en produis plus. What? Pourquoi tu veux que je Volontiers. t'en achète? Enfin, créer un contrat commercial. Alors, vous, bah, j'ai acheté un peu beaucoup, hein, tout ce qui me reste.
Fait pas de box sheet, donc écoute, va rien faire, hein. Tout simplement, on va rien faire. Et on va préparer aussi notre triste constat. Qu'est-ce qui se passe? À peu près malheureux. Non, ça va mieux. Ça va mieux. Ça va beaucoup mieux même. Réduction des effectifs. Alors, on va regarder au niveau de l'emploi, travail. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il est pas content? Fort densité dans les labos. Ouais, bah on verra ça plus tard. Enfin, maintenant, on va le faire maintenant, comme ça sera fait. On cherche. Hop. Plus on a mis tout à fond. À mettre. Ah ben on est en train de créer des pôles en plus. On va créer des pôles, répartir sur tout le territoire. Voilà, on crée des pôles, hein. Finances publiques, ouais, c'est pas cool. Au moins on crée des choses. Ça permet un petit peu d'augmenter les choses. Santé, éducation, enfin santé, déterminer l'âge de la retraite. 57 ans. Faudra voir au niveau de la vieillesse. Le minimum vieillesse, waouh, ça coûte cher. Hein. Allez, on va le mettre à. C'est trop cher. Défiscalisation des entreprises pour retraite par capitalisation. Les prêts. Fête de Noël, allez, on va le fêter. Réglementer l'euthanasie, qu'une légalisation. Réglementer la consommation de cannabis, bon non, ça sert à rien. Notre Pionnage civilisation. industriel en cours au niveau du Pakistan, j'accepte. Mali-France, ils font la guerre le Mali. Comme d'hab, hein, c'est toujours le Mali qui affronte la France. Ils envoient toutes leurs troupes, hein, quand même. Je crois que le Mali va remporter un petit peu contre les. Encore! Salut. Ah oui, c'est vrai, c'est Bonjour, moi qui t'ai dit viens-moi. bonjour. Trop aimable. Ouais, salut. Allez, hop, petit contrat. Est-ce que vous voulez non-agression? Non. Allez, Kazakhstan, quand même, vous pouvez être allié avec moi. Je suis tout gentil, je suis un de vos fidèles. Ah! Ah, mais voilà, ça c'est très bien. On a eu un truc non-agression. Un accord qui est très important. Donc on peut avoir au moins un soutien. Ça pourrait être vraiment sympa. Allez, au moins un petit soutien. Un petit sous-sous. Un petit soutien. Allez. S'il te plaît, Kazakhstan. T'es mon allié. Tu peux être un allié réfutable, très important. Oui, le Kazakhstan peut être un vrai allié. Donc, franchement, je suis tout à fait d'accord pour que le Kazakhstan soit notre allié, quoi. Déjà, on a signé un traité de non-agression. C'est déjà pas mal, voilà. Donc, nos relations avec le Kazakhstan vont encore plus s'envenimer. Enfin, va pas s'envenimer, va s'améliorer. Voilà, on est en vert foncé. Donc c'est très très bien. On améliore nos relations diplomatiques. Et je vous ai dit que dans le précédent épisode, que je construirais deux bases. Une base terrestre au niveau de l'Angola. On va le construire assez vite. Hein. Je voudrais qu'on aille un peu plus vite. Pendant ce temps que ça se crée, on va pouvoir détruire l'inflation. Faudra qu'on détruise l'inflation. Ensuite, on va créer autre chose. On va créer quelque chose d'aérienne. Ah, très bien ça. On va le mettre en Angola. Pop, pop. Là. Et on va le mettre ici. De plus, c'est très bien cette base. Pourquoi? Parce qu'on est à côté de la Zambie. Donc on pourra attaquer la Zambie. Et on est à côté du Botswana. Donc on pourra attaquer le Botswana. Ok, 1040. Waouh! Ah oui, oh là là, on les tue quoi. La Zambie, la Zambie, la Zambie. La Zambie, on pourrait aussi les prendre, hein, franchement. Oh, c'est pas énorme, hein, leur PIB est pas vraiment énorme. Mais je préfère prendre le Botswana parce qu'il y a un plus grand PIB. Franchement, c'est toujours intéressant de prendre leur PIB. Au niveau du budget, on va regarder au niveau de la monnaie, au niveau de l'inflation, on a une baisse de l'inflation, mais pas encore énormément. Les chercheurs ont beaucoup de place dans les laboratoires, mais c'est peut-être un peu trop. D'accord, là il me dit qu'il faut qu'on crée. D'accord, donc là il me dit qu'il faut qu'on crée. Enfin, faut qu'il y ait plus de personnes dans les labos. Faudra Partager ce moment qu'on construit d'attente tout et ça. d'actualité avec les fidèles me Donc il n'y a pas de procure une problème. grande joie. En ce jour sacré, je pense à toutes les communautés qui, un peu partout sur le territoire, dans nos grandes agglomérations, mais aussi
Nos petits villages les plus reculés se rejoignent dans la prière. Il est possible que vous entendez ma mère, donc ce n'est pas très grave. Moi, je continue en tout cas. Ma mère, elle crie, hein, ça arrive, hein, quand vos parents crient, ça crie, hein, c'est normal. Ça me gêne un petit peu quand même, mais bon, c'est un petit peu chiant, parce que je voudrais être un peu calme. Normalement, on y a une famille où c'est assez calme, donc bon, je comprends pas pourquoi elle crie. Je ne sais pas, je préfère même pas écouter. Je préfère même pas savoir pourquoi elle crie. L'émotion le dispute donc, bon. À la fierté lorsque je contemple cet édifice. Regardez, vous avez devant vous l'expression même de notre génie national. Mais oui, n'ayons pas peur des mots. C'est un feu sacré qui stimule la vision de nos architectes et anime la passion de nos amis du bâtiment. Exactement. Désolé. Alors maintenant, on va augmenter au niveau de des recherches. Hein, c'était notre but aussi. Recherche, recherche, recherche. Où est-ce que c'est la recherche? Le PIB à 258 000. Réduction. Mais je ne réduis rien. Mais je comprends pas pourquoi ils disent ça alors que je réduis rien, quoi. Ah, ouais, ok, on a trop de pôles. Découverte. Dans le monde. Pompe nucléaire nationale. Augmenter le nombre de chercheurs, ce qui est très important. 42 000. Voilà, hop. Avorter, ah, d'accord. Voici donc nos chiffres de PIB et de croissance pour l'année passée. Ok. Monnaie. Ah, on a une baisse énorme de l'inflation. Oh, on a une baisse de la croissance. Wow, ça c'est bien ça. Prix du baril. Ça c'est très très bien qu'on ait une baisse de la croissance. Je crois que c'est parce que j'achète au niveau du Kazakhstan qui fait baisser le solde de la balance commerciale. Prendre un rendez-vous. Pourquoi il y a une manifestation? Police. Mais j'ai déjà augmenté. Ça sert à rien d'augmenter encore plus. Plus j'augmente au niveau de la proximité. Regardez, depuis que j'ai augmenté, tout baisse. Ça baisse. Donc il n'y a pas de problème. Aucun problème. Le chômage stagne. Excédent budgétaire. Monsieur le Président, nos comptes sont bouclés pour l'année passée et je peux vous donner dès à présent un nouveau chiffre relatif à la dette de l'État. C'est-à-dire en somme des 1, nous avons un montant de 108 milliards. Le service de la dette ou remboursant un de la dette sera pour la nouvelle année à 1425. Enfin, je suis n'avait pas 18 du PIB, pas mal. Voici donc nos estimations de croissance pour la fin de l'année, d'après les calculs que nous avons réalisés sur les mois écoulés. C'est un très bon chiffre. Notre économie est dynamique. Ah ben oui, c'est normal, même si je souhaite la détruire. Oui, je souhaite détruire mon économie, c'est normal. On a une baisse de la croissance, donc on aurait une baisse... Oh ouais, on a une baisse énorme de l'inflation. Là, vous pouvez le voir, ça baisse. C'est génial, on va continuer comme ça, c'est notre but, c'est de faire baisser l'inflation, qui est une chose très très importante, puisqu'il faut que le coût de la vie, parce que l'inflation c'est la monnaie, quoi, que soit moins cher, elle doit être moins chère. C'est important. Par contre, les dépenses de l'État commencent vraiment à m'inquiéter un petit peu, parce que ça augmente un peu de partout. Le remboursement de la dette, comment ça se fait que ma dette, elle augmente? Comment ma dette peut-elle augmenter alors que je suis en excédent? Je ne sais pas. Bon, c'est pas très grave. De toute façon, j'ai pris un rendez-vous avec Monsieur Kazakhstan. Monsieur Kazakhstan, salut. Pourquoi je le prends encore? Un rendez-vous avec lui parce que je veux avoir une alliance militaire avec lui. Donc soutien. Voilà. Il a accepté. Et ensuite, on va faire alliance. Ah, il n'est pas pour une alliance. Mais au moins, on aura accéléré encore plus. Ah, il est pour une alliance. Très très bien. Donc, droit aérien, maritime, terrestre, ok, t'acceptes. Moi, je voudrais avoir un droit aérien. S'il te plaît, au moins rien. Maritime, de toute façon, tu bordes pas d'océan, si je dis pas de bêtises. Oh, si, je crois que tu bordes. Si, tu bordes. Tu bordes la mer Caspienne, quoi. Pff, ouais, c'est pas très intéressant. Ça, c'est une alliance. Aérien. Voilà, au moins aérien, c'est très intéressant. Maritime, pourquoi pas. Pff. Pas très intéressant, mais bon. Terrestre. Non, bon, c'est pas très grave. Mer Caspienne. Est-ce qu'il y a des gens qui se mettent au niveau de la mer Caspienne? Oui, il y a le Kazakhstan qui s'est mis. Il y a la Russie. Il y a le Turkménistan. Est-ce qu'il y a l'Iran? Non, l'Iran ne s'est pas mis au niveau de la mer Caspienne.
D'accord. Je vous le dis comme je le pense. Vous êtes en train de faire fausse route. Et je pense sincèrement que vous devriez reconsidérer votre orientation actuelle, qui, je vous le dis droit dans les yeux, me met mal à l'aise. Vous pouvez naturellement toujours compter sur mon dévouement, mais encore une fois, vous auriez tout avantage à infléchir votre politique. Mais j'ai fait quoi encore ? Attendez, la culture, tout est à fond limite. Ah non. Mince, pas tout. Ah bah je suis désolé, ça je savais pas. Allez hop, on fait un petit peu augmenter ça quand même. Ça va être content notre petit ministre. Voilà. On fait aussi sur la musique. On fait plaisir. Voilà, même les jeux vidéo, hein. Attention. Même les jeux vidéo. Quoi? Ça peut enregistrer? Voilà. Et là, t'es content? Voilà. Ah ben voilà, quand t'es content. Moi, je suis content. Créer une journée nationale, créer un festival. Attendez, quoi? Suivant le budget, il sera plus ou moins rayonnant. Le festival en France est l'un des plus célèbres du monde. Ça, c'est normal. Donc nous on va se préparer à attaquer le Botswana. On va regarder au niveau de la construction. Ah ça va quand même assez vite hein. On va commencer à attaquer le Botswana. Mais moi je vous dis qu'on se retrouve pour un prochain épisode aussi, parce qu'on a fait beaucoup de gameplay. Et donc je vous dis quoi? D'abord on regarde l'inflation. Très bien, ça baisse énormément. Wow, ça baisse super vite. Waouh. Allez, ciao tout le monde.